Bonjour et bienvenue pour l'épisode 7492 d'Hardcore Chrono. Aujourd'hui, nous allons passer à une nouvelle stratégie. L'essayeur a décidé de détruire toute la forteresse de Glaire. Moi, j'ai décidé d'aller chercher des pommes pour Essayeur. Parce qu'il aime les pommes. C'est bon pour la santé. Chaque jour, manger 5 fruits et légumes frais. Placement de produits. Ouais, j'ai été payé par 5 fruits et légumes. Des fours, je pense qu'on a des fours. J'étais en train de chercher une marque de pommes, mais je trouve pas. Là. Voilà. Après, il y a des marques de jus de fruits. Une marque de pommes. Et tu vois. Tu ne sauras pas. Je vais être obligé de crafter des coffres là. On a tellement de bordel qu'on sait même plus où les mettre. Bah Rico il est plus là pour les ranger. Bah ouais c'est chiant ça. Rico, reviens. Pas besoin de toi pour ranger les coffres. T'as pas l'air ressuscité. T'aurais dû le garder juste pour garder pour ranger les coffres tu sais. J'ai une question. Tiens en parlant de ressuscité. Tu sais il y a les manoirs maintenant. Oui. Et si tu meurs et que t'as un collier pour te ressusciter là. Est-ce que t'es compté quand même comme mort? Ah non, parce que tu ne meurs pas. Nickel. Ça peut être une stratégie aussi, mais il faut trouver un manoir. Non. Est-ce qu'il peut être bien aussi? C'est refaire un hardcore photo comme ça, mais aussi en explorant un manoir. Tu sais. C'est éventuellement... Bon, je veux pas spoil, hein, mais c'est dans ma tête. C'est pas encore au point, mais c'est dans ma tête. Ok. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de boss au manoir. Si, justement. Il y en a un nouveau. Ah, sérieux? Mais oui. Je suis pas au courant. C'est pour ça que, Et Pierre, il a pas de sortie de vidéo à ce sujet. Et si, justement, il a sorti une vidéo. Ah ouais, mais moi, je connais que les... Le Ouloulou, là, le... Comment on appelle ça? Le chaman? Enfin, le sort de chaman, là. Et puis les gens avec leur hache. Et il y a le nouveau qui a appelé. Ah oui, si, je vois, c'est pas un sorcier. C'est l'illusionniste. Ah oui, bah si, je suis au courant en fait. Mais lui, il est hardcore apparemment. Enfin, il est... Oui, c'est pour ça qu'il pourrait être intéressant. Ça. Si je suis pas sûr, mais c'est pour ça qu'il faut que je vérifie tout ça avant de dire autre chose. Je crois qu'il n'y en a qu'un autour d'un manoir. Puis là, on tombe dans un manoir bugué où il n'y en a pas. Ouais. Non, c'est pour ça qu'il faut que je me renseigne, tout ça. Avant. T'es toujours dans le Nether? Ouais. C'est pour ça qu'il faut que je me renseigne avant tout ça pour voir la stratégie à adopter, tout ça. Éventuellement, et voir comment procéder pour être sûr, pour pas que ça soit trop pété en ayant plein. Et puis tu butes le premier arrivé. Parce que tu peux en avoir un, tu peux en avoir deux, tu peux en avoir trois, ça pose pas de problème. Le but étant d'en tuer un. Tu vois, comme par exemple, tu prends les forteresses dans l'eau. Il y a en général trois boss dedans, en moyenne. Le but étant d'en tuer qu'un seul. Alors c'est très rare quand il y en a pas du tout. Mais c'est vrai que ça peut arriver. La seule que j'ai explorée, moi il y en avait pas. Ouais, ça peut arriver. C'est triste. C'est clair. D'accord, je suis parti. Mais bon, nuage, ça aurait été mieux quand même. Ça aurait pas été une mauvaise idée. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un épisode cueillette et chasse. On va chasser du poulet, si on trouve du poulet, bien sûr. Dans les plumes. Et on va cueillir de la pomme. Pour cueillir. Mais après, de la... Les flèches, on en a plus besoin, là. En vrai? Non. Pour le wither, si. Bah non, tu l'enfermes dans une grotte... Voilà, il faut le faire dans le nether, proche du toit, de façon à ce qu'il se barre pas trop. Ça peut être une bonne idée. Ouais, mais non, le nether, ça casse facilement. Tu sais, dans des cavernes, c'est mieux, je trouve. Tu fais ça en grotte... Mais dans les cavernes, tu sais, tu fais des sacrés trous quand tu pètes un machin. Ouais, mais au pire, tu prends... 32 flèches... 32 flèches, à
mais souvent t'en as pas besoin quoi. Ouais, de toute façon là je vais déjà aller chercher les pommes. Putain, que du briefing. Efficiency on y va. Si t'as l'occasion de repasser par le Nether, hein, tu vas plus reconnaître. Et ça spawn plus ou quoi? Bah bon, là, je suis encore en train de creuser donc je sais pas. Je vais bien voir. Je suis à côté, je peux les faire. Putain, le prix du magma crime il a changé, il est horrible quand il atterrit. Il y a plein de bruit comme ça. Même quand tu te noies dans l'eau, c'est horrible. C'est... Moi, la première fois, ça m'a surpris. J'étais surprisé aussi. Je mange bien de temps en temps souffrir. Ah, moi, j'aime bien prendre des bains de lave. C'est bon pour la peau. Ouais. Ça raffermit la peau. Faut que tu essayes. C'est pas faux. Mais non. Non, mauvaise idée. Je peux t'ouvrir en vrai. Tu vas. Tu vas te noyer dans la lave. Ouais, pas bon. Tu vas paniquer et puis hop. Pas quelque chose, mais non. Ouais. Avec le paniquer. C'est ça. Il y a deux Wither là. Aïe. Mais aïe. Run, run. Voilà. Où, toi non plus, aïe. Sur le toit à l'entrée. Oui. J'ai plus mal. Tiens. Compte niveau bouffe, je suis à 37 steaks. Je vais commencer avec ça. C'est pour ça que je te dis, je vais peut-être chasser aussi de quoi bouffer parce que j'ai plus grand chose non plus. Je vais t'en donner un peu là parce que j'en ai un peu sur moi. Bah sinon il y en a dans le coffre, il y avait le steak haricot. Ouais mais il n'y en a pas tant que ça hein. Il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Ça le problème, c'est que ça part vite. La bouffe part vite surtout dans le Nether. T'as vu, il y a des trous partout là. C'est quoi que t'as, des steaks de porc ou du porc. Je vais te filer un coup de main à creuser. Ça ira quand même plus vite. C'est quoi que tu casses alors? Bah ouais, tous les murs, comme ça j'ai un accès direct et je vois s'il y a des wizards ou pas. Ouais mais à quel niveau? Là en dessous. Je sais pas. Bah, pourquoi tu les rebouches si tu les casses? Non là il y avait du vide en fait. Ouais, mais tu te mets pas au même niveau partout? Non, c'est pas grave ça. C'est bon. Ça joue? Enfin, je sais pas. Bah non, mais c'est plus facile. Non, mais non, mais en fait, sur les murs, je préfère laisser les bords pour pas tomber en fait. Je suis capable. Oui, non, mais sur les bords, oui, je veux dire, mais là, tu pouvais laisser à plat ici. Mais non, mais ici, en fait, il y avait des murs avant. Et vu que je les ai cassés, enfin, ouais, j'aurais pu rebaisser de 1, mais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je viens de te faire chier à reboucher pour rien, tandis que là, il y a un trou, tu. Dû te filer ma pioche pour t'éliminer. Efficiency 4. Oui. Efficiency 4. Et tu l'as enchanté. J'ai trouvé. Enfin, j'ai enchanté un livre. 4. Donc. Au lieu de jeter le livre, je me suis dit ce serait peut-être pas une mauvaise. Tiens, plein de. C'est que je suis là. Plein de. De trucs noirs. Ouais. Raciste. Je sais. C'est un. Ah. Si, si, je vois. Plein de trucs noirs, souris noirs. Attends, oui, c'est bien une looting 3 pourtant.
J'en ai pas revu depuis tout à l'heure. Pas aussi, il y a des noirs. Des wizards. Il faut virer le toit là. Ah, tu veux carrément virer le toit? Ouais. Parce que ça le fait. Bah, ça fait deux plateformes de spawn. Ouais, ça peut faire. Ouais, à l'arrière, on peut surveiller les deux en même temps. Ah, bah, bouffe. Oh, comment il m'a touché de loin lui? Ouh! Du monde! Voilà ce qui va se passer sur Itacraft. Sur les forteresses que je vais explorer. Ok, ok. Après, du moment que tu bousilles pas les spawners, c'est tout ce qui compte. Spawner à Blaze. Ça, j'aime pas ça, non mais j'aime pas ça. T'arrives, t'as rien au début, tu vas sur des serveurs publics, il y a souvent les mecs qui s'amusent à bousiller tous les spawners à Blaze, toi t'arrives comme un con, et t'es obligé de faire 3000 blocs. J'ai connu ça. C'est de la belle plage. Donc un petit escalier des familles. Aujourd'hui, c'est l'épisode construction. C'est ça. Nous faisons du build sur Hardcore Chrono. Ami qui est plutôt sympathique. Et ta fréquence d'épisode, ça sera tous les combien de temps? Les deux jours. Donc si on arrive à faire 175 épisodes, t'as des épisodes pendant un an. Ça commence à faire beaucoup d'épisodes quand même, hein. J'espère pas en arriver là. Non, parce qu'à un moment donné... Ouais, je pense que c'est bon là. Faut dire au moins avoir la vue sur toute cette zone là, parce que souvent il y en a ici quoi. Là bien évidemment il n'y a plus rien qui spawn. Et il commence à faire très très chaud là. Pas toi, mais moi j'ai le ventilo qui tourne derrière moi. J'ai même pas fermé la porte du bureau, d'habitude je la ferme toujours enregistré, mais là je l'ai pas fermé parce que je tiendrai pas. C'est fou, toi. 1,2 million. Bon, ce qui va être marrant, c'est que quand les gens vont regarder les... Vous allez regarder cette vidéo. Ça se trouve, la vidéo là va sortir au mois d'octobre, c'est-à-dire qu'il fera plus chaud. Vous allez pas trop comprendre de quoi on parle. Ils vont dire, mais quand est-ce qu'ils ont tourné ça? Il fait pas chaud, tu sais, par... Et c'est là qu'en plus, tu sais, t'as un mois d'octobre tellement pourri qu'il fait moins 2000, tu sais. Là, ils vont dire, mais ils l'ont tourné quoi, il y a 3 ans et demi cette vidéo ou... C'est ça en fait. C'est tellement ça en fait. Dans la lave. T'as une potion fire. Ouais, c'est bon. Oh mais putain, mais j'ai pris 3 boules de blaze d'un coup.
Et t'as pas de bol quand même, parce que les Blaze, ils savent pas viser. Ah ouais, mais là, j'en ai pris 3 d'un coup. Enfin, 3 d'affilée. Pas d'un coup, parce que... Et genre, j'ai pas touché le sol sur 15 blocs. Oh, vache. Pareil. Normalement, quand tu sneak, bah, je sais pas si c'est efficace sur les boules de Blaze. Je sais qu'il y a un bug, un 12. Quand tu sneak, tu prends pas de knockback. Ouais. Alors, je sais pas si c'est efficace sur les boules de Blaze, hein. C'est à tester, j'ai envie de dire. Avec 3 boules de Blaze, il m'a envoyé à 8 blocs à peu près. Starnak. Et là, par contre, si j'aurais pas eu la fire résistance, je pense que j'y serais passé. C'est intéressant, ça spawn. Parce que j'étais vraiment très très bas dans la lave. Tu vois, il y avait... J'étais en plein milieu et... Ouais. Il y avait pas de sol. Et ici, c'est intéressant, ça spawn, hein. Ça spawn masse. Hein. Ouais, non, c'est pas les bons. Normalement, t'as 25% de chance pour que ce soit un squelette qui spawn, bah... Plus... squelette classique, ouais. Bon, on a pas eu de chance là-dessus. Non, ça peut arriver. Ah, c'est comme les têtes de Wither, hein. Pour le moment, jusqu'à présent, je veux rien dire, hein, mais... On est maudit. Un petit peu, hein. Bah, c'est un peu comme les Endormans, quoi. Oui, c'est on ça. On en a chié. C'est la malédiction qui revient. On a eu de la chance pour le diamant, par contre. Ça, et c'est la fin de l'épisode 18. C'est déjà l'épisode 18. Deuxième. Voilà.